Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques pour l'entraînement. Définitivement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle un peu, c'est comme un rajout de ce que je vous ai parlé d'hier. Donc en fait, pourquoi que un entraînement à la maison, c'est pas suffisant, faudra aller au gym, puis un entraînement au gym, c'est pas suffisant, faudra avoir un entraînement à maison. Là, la façon que je dis entraînement maison, il faut vraiment que je clarifie, c'est-à-dire que c'est pas juste d'aller au gym, puis après ça de rien faire dans votre journée, versus vous avez un entraînement dans votre... vous bougez beaucoup dans votre journée, mais vous n'allez pas au gym. C'est sûr, c'est un mélange des deux. Donc, moi, je vais partir par vous expliquer un peu comment moi, j'ai appris beaucoup de choses justement comme ça, parce que j'étais une personne qui allait au gym, mais qui excluait un peu... l'entraînement maison. Fait que l'entraînement maison, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites dans votre journée, de bouger, de continuer à augmenter votre nombre de pas dans votre journée, versus l'entraînement au gym, mais côté musculation. L'entraînement maison aussi, puis ça peut être votre jogging à l'extérieur, etc. Plus côté cardio, encore une fois. Donc moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de musculation, beaucoup de cardio, j'allais au gym. Mais en dehors du gym, comme vous savez déjà probablement, parce que je le dis souvent dans mes capsules, je faisais pas grand-chose. J'étais vraiment plus inactive, j'étais une étudiante, donc on étudiait beaucoup. Je faisais des siestes parce que je me levais tôt des fois pour étudier. Puis quand on étudie, on fait pas grand-chose. Quand on étudie, le pire, c'est qu'on veut manger normalement. Donc il n'y avait rien de bon dans mon mode de vie, à part le fait que j'allais un bon 2 heures au gym. Fait que moi, dans ma tête, quand je me dis j'allais au gym 2 heures, j'étais pas mal active. Je me considérais, tu sais, quand tu remplis un questionnaire, puis tu es sédentaire, semi-active, peu importe, active. Moi, j'étais tout le temps dans le plus active. Fait que là, ça me disait qu'il fallait que je brûlais plus de calories. Fait que je pouvais manger plus. Mais réellement, j'étais pas quelqu'un de si active que ça. J'étais sportive, mais pas active dans ma journée. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que oui, on travaille la musculation. On travaille beaucoup les muscles, etc. Mais quand on arrive à bouger le restant de la journée, pour une perte de poids, c'est vraiment sur 24 heures. Okay? Fait qu'il faut comprendre que on peut aller au gym 2 heures, on peut brûler plein de calories, mais si on ne bouge pas le restant de la journée, ça ne va pas être nécessairement bénéfique. Surtout que si on va au gym 2 heures, probablement que notre appétit est augmenté et on va manger plus. Fait qu'il y a comme des effets qui ne sont pas nécessairement bien. Fait qu'il faut vraiment, vraiment... mettre une emphase sur la journée au total, le 24 heures. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'aller au gym pour une perte de poids. Il y en a beaucoup qui vont se dire, puis c'est une de mes prochaines capsules cette semaine, que dans le fond, j'ai pas besoin d'aller au gym pour perdre du poids, c'est juste mon alimentation, etc. Moi, je vais vous expliquer le contraire dans cette capsule-là. Mais je vais vous expliquer aussi les principes derrière tout ça dans ma deuxième capsule d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se rappeler que d'aller au gym, c'est important, oui, mais aussi le 24 heures dans votre journée. Donc, encore une fois, je vous encourage fortement à utiliser un podomètre. C'est quelque chose qui est pas dispendieux, qui est un super bon outil. C'est sûr qu'il y en a des podomètres qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres que ça laisse à désirer. Simplement, comptez vos pas. Comptez vos pas dans votre tête, faites 100 pas. Regardez sur votre podomètre combien de pas qu'il a fait. Fait que c'est à 95, 105. Vous le savez s'il sous-estime ou surestime à la fin de la journée. Donc, vous pouvez avoir une bonne idée. Avec ça, dans le fond, la deuxième capsule est réservée aux membres. Donc, simplement, allez au www.enformepourelle.com/abonnement pour devenir membre. Donc, aux membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!